Nous espérons que vous allez bien et que vous avez été bien gâtés. Et que vous avez bien mangé, mais qu'il reste encore un peu de place. Et oui, très bientôt, c'est le réveillon du jour de l'an. L'année est si vite passée. Bon, je suppose qu'on va faire un gâteau gourmand avec du chocolat et tout et tout. Et non. Ah. Découvrons la recette du jour avec le jeu de mercredi. Saumon ? C'est ça. On se lave les mains et direction cuisine. Pour les coques, il faudra 120 g de sucre glace, 80 g d'amandes en poudre, une demi-cuillère à café de mélange 4 épices, 5 g de cacao en poudre non sucré, 2 blancs d'œufs, une pincée de sel, 60 g de sucre en poudre et une pointe de colorant orange. Dans un mixeur, je mixe le sucre glace, l'amande en poudre, le cacao et les épices. Je tamise le tout. Je monte les blancs en neige avec le sel. Puis je serre les blancs avec le sucre afin d'obtenir une meringue bien lisse. Serrer les blancs d'œufs est une opération qui consiste à ajouter un peu de sucre fin lorsque les blancs sont montés, puis de les fouetter encore un peu pour les raffermir. J'ajoute une pointe de colorant orange et fouette encore. Je réserve. À l'aide d'une marise, j'incorpore la poudre à la meringue. Les œufs doivent retomber que très légèrement. Je dois faire attention à ne pas les casser. Sur un tapis de cuisson spécial macaron, je poche les coques et les laisse croûter pendant une heure à température ambiante. Au bout d'une heure, ça part au four préchauffé à 145 degrés pendant 12 à 15 minutes. Pour la ganache, il faudra 100 g de saumon fumé, et 120 g de mascarpone. Pendant que les coques refroidissent, je mixe le mascarpone avec le saumon afin d'obtenir une préparation bien homogène. Je garnis ensuite la moitié des coques et recouvre avec l'autre moitié. Waouh, c'est classe! Parfait pour l'apéro d'un réveillon. Exactement, et c'est délicieux aussi. L'année s'achève sur une belle note.
Nous vous souhaitons un bon réveillon. Et comme on dit chez nous, bon boudin et à l'an-ké-vin. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.